Hello tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour l'épisode 2 de Super Mario 3D World. Alors la dernière fois on s'était quitté ici dans ce monde là, et dans ce monde là je vous avais quitté un petit peu trop tôt effectivement parce que j'avais oublié le tampon, et donc on va aller le chercher tout de suite. Non, je veux garder Mario s'il te plaît. Ouais, c'est mieux. Eh bien on va refaire le parcours. Bah tout simplement le tampon on pouvait pas l'avoir par rapport au parcours que j'ai fait. Premièrement parce que le parcours que j'ai fait en premier, c'était pour récupérer les étoiles vertes. Et là, on va utiliser un autre chemin pour récupérer donc ce fameux tampon. Vous allez bien voir. Donc là où il y a une étoile, hein, on la récupère pour avoir des points. Oh, les pièces rouges, on va s'en moquer pour le moment. On va récupérer les anneaux là. Yeah, nous sommes dans Sonic, les amis. Non, pas trop. Nous sommes dans Mario. Bref, on continue. Sagement du côté droit, hop là, hop là, et hop là, youpi. Et en bas, la dernière fois j'avais emprunté la cascade, et ben nous on va pas prendre la cascade, on va passer par là. On va éviter de tomber, ça serait bien. Ok, c'est nickel, et bien on peut y aller maintenant. Maintenant qu'on a eu le tampon, on va terminer le niveau, et on va voir quel est l'objet du tampon. Booster, 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 and booster, yop là. On récupère tous ces anneaux, toutes ces pièces. Un anneau vaut 3 pièces, hein, comme on peut le voir. Super. Merci mon bonhomme, enfin mon dinosaure. C'est pas Yoshi, mais c'est un dinosaure. Ok, on peut terminer le niveau tranquillement. Fouah. Yeah. Alors encore une fois, le jeu je l'ai pas tout à fait terminé encore, malgré que je vous propose un 100%, donc je ne sais pas si à la fin du jeu on va me demander d'avoir tous les mâts dorés. C'est à dire le mât doré c'est d'atteindre le sommet du mât et de faire remonter le drapeau tout en haut. Si à la fin du jeu on me dit qu'il faut faire ça, voire même si l'un d'entre vous me dit qu'il faut faire ça parce qu'il l'a terminé et qu'il peut me le confirmer avec des preuves, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose en WT qui n'est pas bien, et par exemple ce niveau là, le deuxième niveau, je serai obligé de le refaire. Mais si on est obligé de le refaire, je ferai un épisode spécial où je referai tous les niveaux où j'ai pas eu atteint le haut du mât, et tous les niveaux je les ferai en accéléré juste pour atteindre le haut du mât. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Frappez les blocs, alignez un maximum d'images identiques et empochez jusqu'à 777 pièces. Vous obtenez une vie supplémentaire à chaque fois que vous accumulez 100 pièces, donc en gros vous devez avoir 7 vies maxi. Alors, bon, bah j'ai accumulé deux images, donc 100 pièces. Regardez-moi toutes ces pièces. C'est beau. Miaou. Ok. Donc ça, c'était juste un petit bonus. Ok. Maintenant, nous allons nous rendre... Oui, ici. On va d'abord faire ce niveau. Je vous rassure, l'épisode ne va pas durer que la fin du monde. Ah, on va sûrement entamer le monde 2. Parce que sinon, ça va être trop mal. Ok, alors, ces dalles-là, elles ont fait leur apparition dans Super Mario Galaxy. Alors là, c'est pas cool, les enfants. C'est pas cool. Super. D'ailleurs, il me semble qu'ici, il y a des pièces, il y a des blocs cachés. C'est ça. D'ailleurs aussi une chose, c'est qu'avec le gamepad, on peut les activer, hein, les dalles bleues. Vous allez voir. Hop. Allez, voilà, je les ai activées. Bon, en soi inutile parce que de toute façon on va remonter dessus, hein. Moi j'aimerais récupérer un objet. Oh, c'est naze. Bon, du coup je suis obligé de re-sauter deux fois sur les plaques. Voilà, c'est pas grave. Donc là ça fait rien sauf si on saute. Fait propulser en l'air. Alors une chose que j'aimerais dire avant que j'oublie encore une fois, parce que j'ai oublié de le dire dans le premier épisode, j'avais promis à Gabin de dédicacer cet épisode pour lui. Donc, du coup, aïe. Voilà. Donc du coup Gabin, si tu me regardes, cet épisode c'est pour toi. Ok, allez on va monter là-haut. Miaou. Une étoile verte. Super. Par là-bas. Oh, checkpoint. Yes. Yahoo. Oh, là, il y a beaucoup.
beaucoup de dalles. Hein. Bouge! Bouge! Oh là là, le strike! Passer par là, tranquille. Hop là, parfait. Il n'y a plus qu'à faire le tour vers le bas. Super! Et on avance. Tranquillement. Ouh. Ah, il fait des sauts. Est-ce que je peux faire ça? Oh. Attendez, je regarde un truc. Ça fait rien si je saute comme ça. Ah, je peux faire des sauts en longueur avec le chat. C'est bon à savoir aussi. Parce que je vais pas regarder encore tous les mouvements de tous les personnages. Hein, c'est quand même incroyable. J'ai joué qu'avec Mario, pour tout vous dire. Peut-être qu'on changera de personnage. Je sais pas si dans le premier épisode, je vous ai dit que j'allais jouer qu'avec Mario. On se souvient déjà plus, pour tout vous dire. Mais... Ok, bon, je voulais les tuer avant, mais bon, c'est pas grave. Alors, l'étoile verte, elle est dans le coin, là-bas. Merci. Mais quoi qu'il en soit, si on devra changer de personnage, je ne sais pas, pour X raisons, pour que ce soit plus simple, un niveau ou un autre, on le changera. Toi, le Kamek, ça, c'est la pire des créatures dans Mario. Aïe. Enfin, la pire. Il y a pire, hein. Dans Super Mario World, j'en ai de très mauvais souvenirs du Kamek, hein. Hop, pof, pof, pof. Pof, 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 pof. Super, et l'étoile verte. Et le Kamek a disparu. D'ailleurs, on a eu toutes les étoiles vertes. Mais où est le tampon? Go. Le tampon, il est là-haut. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que... on peut activer toutes ces plateformes. Je vais volontairement ne pas activer celle-ci. Là, regardez, on peut pas monter là-haut. On peut pas monter. Sauf peut-être si on fait un saut de ouf. Ouais, non, on peut pas. Par contre, on peut monter avec le chat. Mais si on n'a pas le chat, hop, hop, ça va descendre. Par contre, pour la récupérer, voilà. Et bien, c'est tout simple. Un saut mural. Et là, on va récupérer le chat pour plus de sécurité vis-à-vis du haut du mât. Je l'aurais pas pris, le costume du chat, ça serait passé aussi. Mais bon, on sait jamais. Je préfère prioriser le fait de toucher le haut du mât. Parce qu'on sait jamais pour ce qui se passera vers la fin du jeu. Eh bien, niveau terminé, nouveau tampon, ce sont des sauts. Moi, je penserais plus à des étiquettes, hein. Ok, niveau terminé. Une chose à savoir aussi, c'est que si je retermine le monde, par exemple celui-là, avec Luigi, imaginons, hein, le drapeau va changer, ce sera devenu un L. Oh, la petite Toad. Pareil. Le Captain Toad. Le Captain Toad, pareil, a fait son apparition dans Super Mario Galaxy. Je pense que la plupart d'entre vous auront vu mon WT sur Super Mario Galaxy et Super Luigi Galaxy, qui a duré un certain temps maintenant. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller le voir aussi. Le Captain Toad, chasseur d'étoiles vertes, part à l'aventure. Guidez-le dans sa quête pour retrouver les 5 étoiles vertes. Trouvez-les toutes les 5, sans quoi vous en obtiendrez aucune. Disons, j'ai du mal. Hein. Vous pouvez changer d'angle de vue à loisir en utilisant le stick droit ou en inclinant le gamepad. Alors là, je le change avec le stick droit. Et avec le gamepad, je move in my body. Ok. Et pour finir, un léger détail, le Captain Toad ne peut pas sauter. Alors prenez garde. Alors ce genre de petite plateforme où le personnage ne peut pas sauter, ça me fait énormément penser à... Mario vs Donkey Kong. Avec les mini Mario là. Parce que les mini Mario peuvent pas sauter. À part s'ils ont un trampoline. Je les ai pas tous fait les mini Mario. Enfin les Mario vs Donkey Kong. Mais je sais que j'avais vraiment apprécié ce genre de jeu casse-tête. Parce que tout ce qui est jeu casse-tête, moi j'adore. Style Lemmings. Pour ceux qui connaissent. J'ai envie de dire pour les plus vieux d'entre nous. Parce que les jeunes ne doivent pas connaître les Lemmings. Sauf s'ils s'en renseignent et ils jouent à des jeux rétro. Alors là, il me demande de souffler. Donc c'est comme ça. Ou si vous voulez pas souffler, on tape sur le micro, hein. Ça fait du son, donc ça marche aussi. Ok, on est arrivé là-haut. Étoile verte, ok, on va récupérer la dernière. Hop là, vu du dessus, c'est bien. Et la dernière. Super, stage terminé. Donc on a eu les 5 étoiles vertes. Et là, les étoiles vertes, ça y va, parce que là, 5, ça fait beaucoup. Merci, Captain Toad. Tu es un chou à la crème. Fourré aux champignons. Ok.
Quand vous jouez en solo, vous pouvez utiliser le stick droit pour changer l'angle de vue dans les autres stages également. Vous devriez essayer. Mais je le sais déjà, je le sais déjà. Et maintenant, on est parti pour le château. Et il me faut 10 étoiles vertes. J'en ai 21, tout va bien. Super. Et là, pareil, ça me fait penser à Super Mario 64, où il fallait forcément des étoiles pour passer à travers les grandes portes pour les vaincre Bowser. Allez, c'est parti. Château Toroute de Bowser. It's a bad time. Oh oui, Mario. Bad, bad time. Et oui, là, on est dans le château de Bowser. Donc, ça va chier. Ah, les balles de foot. Goal. Ah, il y a un truc caché, là. Voilà. Bouge. Ok, anneau vert. Pièce verte. Important de les récupérer. C'est pour une étoile verte. Super. Et regardez-moi l'animation de l'eau, quoi. Waouh. On voit qu'on a en acheté, on voit que c'est la Wii U, on voit que c'est Nintendo qui a travaillé là-dessus. Et voici le saut, merci. Non. Ok, c'est bon, je les ai eu. Ah non, mais l'animation de l'eau, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait oh. Je suis resté bouche bée. C'est pas grand-chose, c'est qu'un petit détail, hein. Et ce détail-là, waouh. Vraiment très joli ce jeu. Ok. Vite fait, on va récupérer ça, mais ça, c'est que des pièces. Raté. On va aller récupérer le time là-haut, même si ce sera pas important. Alors, on va faire attention. Ah, balle de foot. Non, raté. On va essayer de bien viser. Yes. Boom. Il n'en reste plus qu'un. Clac. Et voilà, j'ai 3 étoiles vertes plus le tampon. C'est parfait. Bouge. Ah non, il m'a explosé à la gueule. Oh bah non. Ok, c'est bon. Il y a le champion qui traînait, je ne crois. Et on arrive, on a. Ouh, la musique se calme. Il n'y a plus de musique du tout, même. Ah, un train. Et non, c'est la grosse voiture de Bowser, la Bowser Mobile. Qui a la même dégaine que la voiture de Wario. Ok, mon pote, alors ça. C'est encore une chose que j'en avais parlé dans A Link Between Worlds, il me semble. Parce que dans A Link Between Worlds, je vous l'avais dit, il y a certaines choses qui sont instinctives à faire à cause de tous les trailers qu'on nous a donnés. Et là, par exemple, pour vaincre Bowser, c'est instinctif aussi. Parce qu'on l'a vu dans le trailer. Et on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, il y a une chose à préciser, c'est que là, je donne juste des coups de pied. Mais avec le chat, quand je donne des coups de poing avec le chat, les balles sont plus puissantes. Ah, faut pas donner des coups dans les balles rouges, ok. Tiens, mange ça. Peut-être récupérer ça, c'est bien. Ah, ça me les renvoie. D'accord. Allez, tire. Ah bah non, il y a un obstacle. Ok, alors les boules de feu sur les bombes, c'est un mauvais plan. Ça me paraissait logique, mais bon, au moins c'est essayé. Alors au niveau de ses points de vie, il en a quand même pas mal. Simplement parce que là on donne juste des coups de pied dans les balles de foot, mais comme je vous l'ai dit, avec le costume de chat, 3 coups suffisent pour le vaincre. Ah bah on arrive au bout. Ah bah on fait demi-tour. Dis donc, son autoroute elle est grande, hein. Allez, balle. Boum. Arrête de tirer les boules de feu. Ah, Goomba. Dans ce passage-là, je l'avais pas fait, par exemple. Je l'avais vaincu avant. Ah, bah tiens. Donne, donne. Voilà, regardez ça. C'est plus puissant. Bon, on l'a pas bien vu, mais bon. Paf. Voilà, il faut lui balancer sur lui. Et la voiture, HS. Oh, pas d'aboum. Oh bah il a le feu aux fesses. Et Bowser va décoller vers d'autres cieux. Pièce 7. Ok. Et on sort du niveau. Pas encore. Nous sommes au sommet du château. Time. Même si bon, on donnait 100 de time à la fin. Eh hey, tu... Non mais attends. Vous croyez ça?
Rigolez pas, mais quand j'étais gamin chez ma grand-mère, je faisais la même chose dans ces escaliers. Oh là 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 là. Ce que je peux raconter comme bêtise. Ok, et le pire dans tout ça, c'est que les escaliers de ma grand-mère avaient une moquette rouge aussi. Donc... Bref, c'est pour ça que ça m'a fait tilt. Je sais pas. Ok, le haut du mât, il est bon. Et ici, pif! On a délivré cette petite personne dont nous ne savons rien pour l'instant. C'est juste que c'est une petite fée verte. Ouais. Ok, nouveau tampon, c'est Bowser. Moi, Biel. Et trois nouvelles étoiles vertes. Et le drapeau doré. Elle a un marteau, elle a un marteau. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, quel joli tuyau que voilà. On va l'emprunter. Après la sauvegarde, bien sûr. Let's go! Destination, le monde 2. Eh oui. Comme dans la plupart des Mario, le monde 2 c'est un monde désertique. Et on peut voir derrière qu'il y a un peu de flotte. Donc, un monde de flotte pour le monde 3. Bah tiens. Pour pas changer. Allez, on va commencer le premier monde. Et je pense qu'on va prendre son temps pour le faire. Pour bien explorer, bien regarder et découvrir de nouveaux mondes. Ok, on va arrêter de bailler, on va se concentrer. Ok, déjà ça c'est un nouveau monstre. Qu'on peut pulvériser assez facilement d'ailleurs. Première étoile verte, pas très bien cachée. Allez, 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 comme un chat qui tourne autour de sa queue. Voilà. Pauvre de chat. La veille. La veille. Et ici, il me semble qu'il y a des pièces. Ouais. Ouais, 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 il y a des pièces. Clac. Est-ce qu'on peut monter? Allez, 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 allez. Ah, bon, il y a un tuyau là-haut, donc on peut monter ailleurs. Hop. Hop. Bon, on va pouvoir monter par là. Super. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est un tuyau doré, c'est pas un tuyau jaune. Hein. Oh, on arrive dans un endroit tout doré. Avec une musique de bonus. C'est... Oh là 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 là. Picsou, il serait content, là. Wow. Wow. Ça me rappelle New Super Mario Bros 2 avec cette infinité de pièces dans ce jeu. C'était juste abusé pour avoir des vies quoi. Enfin bon, tout l'intérêt du jeu ne tournait pas autour des vies, tournait autour des pièces. Alors, pièce rouge. Regardez-moi ce chat. Il est dans son élément là. Ok, power up, même si j'étais à fond, c'est toujours bon de prendre, ça fait des points. Aïe. Oh là 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 là, l'esquive. Comment je les esquive? Ah, et ils sont tous morts. Ok, checkpoint. Toi, je t'aurai. Je t'aurai. Voilà, on va monter là-haut. Tout simplement parce qu'on peut regarder avec le gamepad comment ça se passe. On peut voir là-bas, à droite, il y a le temps. On peut voir des toiles vertes. On voit pas d'étoiles vertes. Hein. Va falloir aller chercher. Allez. Joli. Ah oui, alors ça, c'est chiant ça. Ok, ça va. Clac et... Ah, tiens. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Champi. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Non, on peut pas monter là-haut. Ouais, ça, c'est une astuce pour monter plus haut. Il suffit de monter. Hop. Une fois qu'on arrive presque au bout, on saute et on se rattrape comme ça et on peut remonter encore plus haut. C'est une chose que j'ai apprise lors du premier épisode quand j'ai failli me fail. Vite, 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 vite. Faut pas avoir. Oh là 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 là. C'est violent. Viens par ici s'il te plaît. Super. Non, alors ça c'est pas super par contre. Clac. C'est bon. Pas déconner non plus. De chat. Et si dans cette cascade de sable on peut sauter pour atterrir ici pour avoir 100 de time en plus. On
100 de taille en plus, c'est trop qu'il m'en faut. Et là, la petite boîte. Pareil, ça rappelle New Super Mario Bros. 2. Hop là, et on peut avoir plein de piécettes. On va en profiter, hein. Alors l'abeille, tu arrives pas à me choper. Tiens. Une vie. Ok, c'est bon, c'est fini. On va arrêter. Ah, déjà ça, important. Prends-le. Voilà. Et on peut voir que la fin est là-bas. Donc une étoile verte qui est juste là. Clac. Allez, dis-moi merci, Toad. Merci, Captain Toad. Et maintenant, direction la sortie. Et là, ça va être chaud. Oh là là, derrière. Vite. Ok, super. Et le haut du mât, s'il vous plaît. Ça promet d'être très désertique, ce monde 2. Good. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, joli. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir. Peut-être que c'est juste pour la collection de vignettes. Hein. Mais quoi qu'il en soit, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça me semble pas mal. On a terminé le monde à 100%. Peut-être, parce qu'il nous manque un mât doré. Je ne sais pas s'il le faudra. Et on a commencé le premier niveau du monde 2. Ce qui est pas mal. Ah! Fonction Nintendo Network 1. Vous pouvez désormais activer la fonction Miiverse de ce logiciel. Activez-les pour publier des messages sur Miiverse pour utiliser les sauts. Ah, comme vous avez accumulé et pour voir les messages d'autres... Non, que vous avez accumulé et pour voir les messages d'autres utilisateurs. Pas mal. Votre Mii apparaîtra alors sur la console Wii U d'autres utilisateurs et des Mii d'autres utilisateurs apparaîtront à l'écran de sélection du stage de votre console. Un peu comme New Super Mario Bros. U, quoi. Fonction Nintendo Network 2. Vous pouvez désormais activer la fonction Mii Fantôme de ce logiciel. Les Mii Fantômes apparaissent dans les stages que vous avez déjà terminés et reproduisent les données de jeu d'autres utilisateurs. Observez-les, vous pouviez y trouver des découvertes intéressantes. Voilà. Donc ça c'est un petit bonus hein, si on est connecté à internet et qu'on active cette fonction. Pour ma part, actuellement je ne peux pas l'activer cette fonction, tout simplement parce que je n'ai pas encore internet, enfin tout simplement le jeu n'est pas encore sorti, donc du coup je ne peux pas aller sur le Miiverse. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être pas mal si par exemple on est coincé dans un niveau, on va regarder le fantôme d'un autre Mii. Peut-être que lui aura trouvé la fameuse étoile verte qui nous manquait, on ne sait jamais. Votre Mii apparaîtra également sous forme de Mii fantôme sur la console d'autres utilisateurs. Alors, eh bien non, je ne veux pas et je sauvegarde. Et on va poser la Wiimote. Le gamepad, voilà. Écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours, oui, parce que demain c'est Link Between Worlds pour la suite de Super Mario 3D World. Sur ce les amis, portez-vous bien et à bientôt. Ciao !